tout ça pour ça. En parlant du coup de framboise. Trop beau. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. C'est le bordel. Pépitas pépitos. Hein. Enfin, c'est incroyable. Au bout d'un moment, on peut pas lutter. 6, 8, 9, 10. Tu bouges la caméra, Prince. Moi, chacha. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur une vidéo nouveau Spring Reset. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog décoration. Il était censé faire beau aujourd'hui, il devait faire 27 degrés. Nous sommes le samedi 6 avril, voilà, j'attendais le soleil, j'attendais la chaleur, j'attendais la luminosité et il n'y en a pas. Donc c'est le deuxième épisode de vidéo de Spring Reset, j'espère que ça va vous plaire. Donc la semaine dernière vous avez eu un vlog étudiant, aujourd'hui du coup c'est le vlog décoration en espérant que j'y arrive. Enfin j'aimerais bien vous faire des petits DIY etc. J'ai acheté bien évidemment de la déco, j'ai reçu aussi de la déco, donc c'est vraiment un vlog axé sur la déco. Donc je vais vous montrer d'abord tout ça. Alors j'ai acheté à Flying Tiger, j'ai reçu aussi des trucs de chez Shein, enfin de la petite décoration et des choses vraiment hyper pratiques. Donc je vais vous montrer ça. Donc cette partie vidéo est en collaboration avec Shein. Tout d'abord j'ai reçu ce tapis et ça c'est super bien. Je sais pas si vous en avez déjà vu, bon ça s'achète un peu partout. Et du coup j'ai pris ça, c'est un tapis où en gros vous pouvez mettre vos pinceaux ici, les couleurs dans la petite fleur. Là ce serait pour gratter je pense les pinceaux et là ce serait pour mettre la peinture. C'est trop bien, en plus ça protège du coup votre plan de travail ou autre. Donc ça c'est trop bien, je suis trop fan, ça coûtait pas trop cher et je l'ai reçu en bleu. Franchement trop bien, je vous conseille si vous faites de la peinture. Moi à chaque fois je mettais du sopalin, mais bon au bout d'un moment ça va 2 secondes. Ensuite quelque chose de hyper pratique, ça pourrait être une connerie Patrick en vrai ça. En fait c'est un coussin et quand vous défroissez votre vêtement, moi je sais qu'à chaque fois je galère, j'essaie de pas trop me brûler. Bah t'as juste à mettre là ton coussin derrière l'habit et faire un défroissage en appuyant dessus. Parce qu'à chaque fois moi je galérais, j'appuyais sur rien du tout, enfin c'était un peu la merde. Donc là je vais pouvoir défroisser correctement mes vêtements sans me brûler la main. Donc ça c'est trop bien, enfin, c'est hyper pratique. Et si vous en cherchez, n'hésitez pas, enfin, c'est vraiment génial. Ensuite j'ai reçu une tasse fraise, bon, c'est pas pour moi parce que j'en ai déjà une, mais ça va être pour Cindy, elle en voulait une. Du coup bah je lui ai pris une tasse fraise incroyable, elle est vraiment trop belle. Elle est un peu plus belle que celle de chez Primark. Ensuite je me suis pris ça. C'est quelque chose qui est très utile pour moi, c'est des distributeurs de savon. Moi j'utilise pour mettre mon liquide vaisselle, donc quand je fais la vaisselle, ce qui est assez rare, bah, je prends ma brosse et je la mets en dessous, donc il y a un détecteur et donc le liquide vaisselle tombe. Et comme ça je peux nettoyer tranquillement sans prendre le liquide vaisselle, appuyer, machin, ça me saoule. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est à recharger. Donc t'as pas besoin de piles, moi le mien il est avec des piles, il est pas très esthétique, il est jaune et blanc. Là il va être un peu plus joli je pense, donc l'autre je le mets dans la salle de bain. Enfin voilà, hâte de tester ce que ça donne. En tout cas c'est un gros contenant par contre, c'est beaucoup plus gros que le mien. Je me suis pris aussi une ponceuse, la mienne est morte, voilà tout simplement. Donc là vous avez la ponceuse qui est assez petite, hein. Bon elle est pas très chère, à voir ce que ça donne du coup. Il y a la puissance et tout, enfin vraiment c'est une ponceuse basique. Vous avez aussi la pédale. Et ce qui est bien, ils ont mis aussi des petits embouts, la petite ponceuse. Donc à voir ce que ça donne, à tester. Parce que la mienne elle est tombée capote pour faire raison, c'est un peu plus galère. Et enfin, elle est incroyable. Oui mon Sacha, qu'est-ce que tu fais? Elle est vraiment trop belle, c'est une tasse fraise, fleur, franchement je suis fan, j'adore. Je pense que c'est une de mes tasses préférées, je pense. Elle est trop jolie, vraiment incroyable. Donc voilà ce que j'ai reçu pour Shein. J'avais aussi commandé un porte-œuf, mais il n'est pas arrivé. Du coup, je pense qu'on va le faire soi-même. Ça va être bien, je ne pense pas, mais on va prier le Seigneur Dieu. Vous avez un code promo qui sera en barre d'infos, qui s'affichera aussi juste ici, qui vous offre des petites promotions, des petites remises sur votre panier. N'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'utilise mon propre code promo quand j'achète chez Shein. Donc voilà, merci à Shein d'avoir sponsorisé la vidéo. Et ensuite, bah, je vais vous montrer les autres déco que je me suis acheté. Donc c'était à Flying Tiger. Alors franchement ça fait très longtemps que je les ai achetés, ça fait au moins un mois, mais je vous attendais à chaque fois de filmer cette vidéo. Tout d'abord je me suis pris une petite fleur comme ceci, c'est un bougeoir.
Vraiment, je suis fan, c'est une déco que je kiffe. Donc, une petite tulipe. Ça, alors ça, mon cache-pochou, je le voulais depuis tellement de temps, je le voyais partout. Et là, je l'ai enfin eu, mon cache-pochou. Franchement, je suis fan, c'est trop mignon, non? Faire un petit peu de déco, ça va être sympa. Sachant que chez moi, c'est le bordel. Donc, j'espère que je vais réussir à faire de la déco dans du bordel. Hein. Ensuite, je me suis pris ça. C'est une petite coupelle. Et je sais pas si vous remarquez, je sais pas si vous vous souvenez, mais à Athènes, j'avais acheté donc à Flying Tiger ça, mais en assiette. Donc là, j'aurais la petite coupelle. C'était 2 €, je crois. Donc. Voilà, une petite coupelle que j'aime beaucoup, c'est trop mignon en forme de fleur. La même chose mais en violet. Franchement, trop mignon. Je crois que c'est la même chose, ouais, c'est la même taille. Une dernière, bon celle-ci est un peu plus grande, en vert. Voilà, ça n'existait pas dans la même taille, enfin je l'ai pas trouvé en plus petit. Donc bah, je l'ai pris en plus gros. Donc voilà pour la décoration. Tout ça pour ça. Ah oui aussi j'ai fait quelque chose, bah je vous ai pas filmé parce que je l'ai fait il y a longtemps. Mais vous savez mon bouquet de fleurs que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et bien en fait je l'ai fait sécher et j'ai essayé de répartir un petit peu bah, les fleurs dans plusieurs vases. Alors le premier c'est celui-ci, un livre sur les fleurs. Franchement je trouve ça trop joli. Ça fait très printemps, enfin je trouve ça magnifique. Donc c'est les petites fleurs roses qu'il y avait dans mon bouquet. Donc je l'ai laqué vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai mis un petit peu de fleurs là sur le bas pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez joli. Et franchement je trouve ça magnifique avec ma petite boule disco juste là et ma bougie. Franchement j'adore la DA, je trouve ça magnifique. Ensuite j'ai mis mon eucalyptus ici, j'ai mis une branche ici. Dans le bureau j'ai mis l'eucalyptus aussi dans ce vase qui est vraiment incroyable. Et j'en ai mis aussi dans la salle de bain. Voilà, j'ai essayé de répartir et d'utiliser un petit peu mon bouquet parce que je l'aimais beaucoup. Donc voilà déjà pour la déco que j'ai installée. Et aussi, bien évidemment, j'ai acheté des choses pour faire des petites DIY. Donc le premier, c'est, je vous l'avais montré dans un haul IKEA, je crois. J'ai acheté de quoi faire les lampes champignons. Et j'ai fait ma lampe champignon quelques jours avant. Voilà, parce que j'essaye vraiment de me répartir un petit peu les tâches. Mais on va en refaire une aussi aujourd'hui parce que j'ai racheté d'autres choses. Donc je vais vous montrer les parties de vidéo que j'ai filmées un petit peu antérieurement. Maintenant... Je viens de bomber, faire une première couche du coup sur les bols et le vase. Je sais pas si vous verrez avec le bordel derrière, c'est pas mal. Mais la couleur est vraiment dingue. C'est vraiment très joli. C'est un framboise du coup de chez Cultura. Franchement, trop beau. Petite astuce quand vous bombez, moi j'ai pas de gants. Et en fait j'ai fait ça sans protection, du coup j'en avais partout sur les ongles. J'en ai encore un peu, c'est un peu chiant. Mais du coup, prenez un sac plastique. En tout cas, je vais mettre ça parce que j'en avais vraiment partout. J'ai dû frotter comme une dingue. Donc là, je vais passer la deuxième couche. Oh, ça va être trop beau. En parlant du coup de framboises pour ce vlog déco, du coup, je vais vous montrer ce que j'avais acheté vite fait à Primark. Il me fallait des débardeurs pour mettre en dessous de mes cols roulés parce que j'en ai pas. J'ai quand même froid en dessous de mes cols roulés, donc je voulais des débardeurs. Ça va être utile pour l'été quand je vais mettre des shorts et tout. Moi, j'aurai des petits débardeurs pour mettre avec mes petits gilets. Donc c'était pas si cher que ça en plus, c'était bien. Et c'est du coton, donc plutôt bien. Donc j'ai pris des débardeurs vraiment hyper simples, basiques. C'était 3 €, donc j'en ai pris un bleu. J'en ai pris un kaki, j'espère qu'ils m'iront, parce qu'ils me paraissent un petit peu de grand, je sais pas. Donc ils sont assez longs, hein. Ça c'est vraiment top, comme ça je vais pouvoir bien les mettre dans mes pantalons de costume. Ça, ensuite j'ai pris en blanc, pour vraiment avoir un truc basique. Donc blanc comme ceci. Voilà, donc j'ai pris vraiment des couleurs basiques. Ça me manquait d'avoir quelque chose en dessous en fait de mon coloré parce que j'ai un peu froid au boulot, il n'y a pas de chauffage. Et ensuite j'ai pris un t-shirt, je trouvais ça assez mignon avec un petit jean et tout, genre en été ça peut être pas mal. C'est 3,50 €, je trouve assez mignon et je porte très 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 peu de rose comme ça sur moi. Donc c'était l'occasion. Et surtout, 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 je sais vous allez me taper, vous allez me dire Lisa, c'est pas bien, etc. Mais c'est une fraise. Au bout d'un moment on peut pas lutter contre ses envies. Donc c'est un tapis de bain fraise qui coûtait 12 €. Franchement, je l'ai vu plusieurs fois. Je me suis dit non Elisa, non, non, non. Et je l'ai vu déplier. Vraiment j'ai flashé, je pouvais pas, c'était au-dessus de mes forces. Vraiment, vous pouvez me taper, vous pouvez m'engueuler, y'a pas de soucis. Mais c'est au-dessus de mes forces. Regardez-moi cette fraise.
Enfin, c'est incroyable, au bout d'un moment, on ne peut pas lutter contre ça. C'est trop beau, c'est trop mignon. Donc j'ai pris un tapis de bain fraise. Donc c'est pas pour mettre en sortie de douche, c'est pour mettre surtout devant mon lavabo. J'en ai un déjà actuellement. La couleur est très belle. À la caméra, ça paraît un peu plus rouge, mais c'est plus rose. Et surtout, j'avais pas vu, mais ils font des gua sha. Pardon, comme ceci, coûtait 5€. Non, j'avais jamais vraiment testé les gua sha. C'était l'occasion de tester. Voilà. Faire des petits soins comme ça, telles les youtubeuses beauté. Donc voilà pour mes petits achats vite fait. Il me fallait vraiment des débardeurs, enfin j'en manquais énormément, j'en ai pas. J'ai remarqué que j'avais pas de débardeur. C'était un peu catastrophique. Et du coup pour Primark, comme j'ai su que eBay Club avait des bons d'achat, faisait des bons d'achat, du coup j'ai créé un bon d'achat, j'en ai créé un 30€. Du coup j'ai eu 1,50€ sur ma cagnotte, j'ai présenté le bon d'achat, ça a fonctionné et après j'ai payé le restant par carte. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai voulu faire ça à Cultura mais il n'y en avait plus des bons d'achat. C'est que par période en fait, des fois c'est en rupture de stock. Donc j'ai eu 1,50€ sur ma cagnotte eBay Club. Et donc le lien est en barre d'infos si vous voulez vous inscrire sur ce site de cashback qui est vraiment bien. Je vous l'avais présenté dans un de mes hauls. Je vous reprends dans ce vlog complètement bourbier et bordel. Du coup je suis rentrée du boulot et j'ai reçu du coup mon colis que j'avais commandé sur Shein. Donc ça c'est moi qui l'ai payé. En fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu, enfin, je vais vous montrer. Vous voyez ce genre de livre là, les trucs énormes à 105 balles. Bah moi je pourrais pas tous me les payer, enfin même un c'est compliqué de m'en acheter un, trop cher. C'est beau hein, mais c'est trop cher. Et moi je l'aurais acheté juste pour la décoration, donc franchement ça vaut pas trop le coup de dépenser autant d'argent pour juste de la décoration comme ça. Et du coup j'ai acheté sur Shein des cartons. Alors si vous voulez pas acheter sur Shein, vous allez aussi sur AliExpress mais c'est plus cher. Et c'est le même fournisseur, je pense que ça vient du même endroit. Du coup j'ai acheté que les cartons quoi. Donc des fois ça se vendait par lot, des fois ça se vendait à l'unité. Donc à l'unité c'est dans les 2,50€ et par lot c'est genre dans les 6€. Donc des fois il y a des doublons donc il faut faire attention avec ce qu'on achète. Mais je suis trop contente, enfin je vais essayer de les monter du coup. Mais je pensais pas que c'était aussi gros. Enfin je m'attendais à des beaucoup plus petits. Et pas aussi grand, donc trop contente. Il y a des modèles, je crois pas que ça soit des vraies couleurs. Mais mon car le cul. On est pour environ 30€ je crois. J'ai appliqué mon code promo. Donc c'est PandaPi quelque chose. Normalement c'est en barre d'infos, vous avez les informations. Et avec ça j'ai cumulé mon cashback d'eBay Club. Je crois qu'il y avait 7%. Du coup j'ai quasiment eu 2,50€ dans ma cagnotte. Bah du coup voilà ce que ça donne. Putain il y en a tellement. Je pensais pas en avoir acheté autant. 3... 6, 8, 9, 10, 10, 15, 16. Oh la vache, j'en ai acheté 16. C'est énorme. J'aime trop moi. En plus, ils ont fait un trio avec, la Grèce. Qu'était pas ça, mes principes? Oh mon amour. Avec une petite chaussette fraise, j'adore. Bon bah du coup, voilà, je sais pas où je vais les foutre encore, faut que je les range. Donc on va les ranger de toute façon dans ce vlog, on va faire un petit vlog déco, etc. Mais vraiment, plutôt pas mal, hein. Du coup, j'ai trouvé une petite place, j'ai mis ça là. Je trouve ça vraiment trop joli. Enfin, en plus, ça se voit pas que c'est trop cartonné, enfin je sais pas. Je trouve ça assez joli. Très contente, faudrait peut-être que je choisisse un... Genre les deux là, faudrait peut-être que je les inverse au niveau des... Je sais pas si je les mets comme ça ou comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Franchement, ce framboise est magnifique. C'est hyper joli, hyper beau. Bon, c'est pas parfait. Bien évidemment, je vois des petites retouches à faire, mais c'est pas grave. Mais surtout, j'ai fait une petite bourde. Ça a coulé. Alors là, ça se voit pas que ça a allumé, mais ça a allumé. Mais du coup, là... Est-ce que vous voyez ? Ça a grave coulé. Donc je pense que quand ça sera Halloween, bah je le retournerai, comme ça ça ferait vraiment un truc un peu ensanglanté. Mais je suis un peu deg. Et là je vois que c'est un peu transparent. C'est dommage, j'ai mal fait mon petit truc. Mais c'était un peu galère de bomber dans un sac plastique, surtout que là j'en ai un autre pour bomber, qui est pas terrible, mais bon. En tout cas la lampe est vraiment magnifique. Le soir c'est trop beau, quand tu l'allumes c'est magnifique. Enfin vraiment je suis fan de cette petite DIY qui est vraiment trop mignon. Voilà pour ça, et on va faire le deuxième DIY du coup. Puis je trouve que ça va bien dans la DA, enfin je trouve ça très mignon. Du coup là sur cette partie de mon meuble je trouvais que c'était extrêmement moche. C'est un peu la merde. Enfin il y a des bougies et tout, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et je voulais mettre du coup une petite lampe champignon, mais pas la même que celle que j'ai mise dans mon bureau. Je suis partie à Ikea. Donc, et Cultura aussi, donc j'ai pris des petites choses que je vais vous montrer maintenant. Alors déjà c'est le sac que je vais utiliser pour bomber mes trucs, sachant que la dernière fois le sac était énorme et j'ai pas réussi. Là le sac est tout petit, parce que j'ai pas de carton en fait, je crois que c'est un peu la merde. Donc je suis partie à Cultura acheter la couleur, donc j'ai pris du jaune. Alors c'est la référence,
Taxi jaune, ok, voilà, c'est un taxi. J'ai pris la l'ampoule, en fait c'est celle-là. Donc c'est Corn Snow. La lampe n'est pas incroyable, hein. C'est pas la meilleure lampe au monde. C'est pas très beau. C'est comme ça, et en fait quand tu appuies, tu as de la lumière. C'est pour ça que j'ai acheté des piles. J'ai pris du coup ce vase-là, donc c'est le même que celui que je vous ai montré là déjà fait. Qui est le vase vraiment basique de chez Ikea. Et au lieu de prendre une grosse coupe, j'ai pris une toute petite. J'avais pas vu qu'il y en avait des petites, et en fait ça va faire super joli, ça va faire un petit champignon. Trop mignon. Donc voilà, cette petite coupelle, et du coup ça fera un champignon assez long, vous voyez. Je trouve ça trop beau. Donc on va espérer que ça fonctionne, et du coup ça, on le met à l'intérieur, là comme ça, la coupelle au-dessus, en fait quand t'appuies, ça allume trop bien. Trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, pour ça on va faire ça aujourd'hui. Et j'ai aussi acheté ça à la Farfouille. C'est des petites accroches pour mon rideau, parce que Prince, je sais pas ce qu'il a foutu hein, ce chacha, il a décidé de s'amuser avec les rideaux. Il a tout fait tomber et du coup j'ai perdu une seule partie des accroches que je ne retrouve pas, que je vais peut-être retrouver à un moment donné, mais du coup ça fait genre 2 semaines que j'ai plus de rideaux ici et j'en ai un peu marre de voir les voisins. C'est hyper pratique, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est ça. C'est, tu l'accroches en fait au-dessus de tes fenêtres, au-dessus de la porte-fenêtre en fait. Donc il n'y a pas besoin de faire des trous, de machin, ceci, cela, c'est vraiment hyper simple. Et ça se trouve à la Farfouille, à Jiffy il n'y en a pas, il n'y a pas ailleurs, il y a juste à la Farfouille. Donc ça se prend comme ça et en fait tu poses ta petite tringle. Et c'est vraiment super pratique, enfin, c'est pas cher, c'est pratique, c'est... Enfin, et moi je peux mettre 2 rideaux à la fois. Et donc moi ce qui me manquait c'était juste cette partie-là. Voilà, merci Prince. Alors vous voyez c'est comme ça, donc là il n'y a rien. Et en fait, là, il y a ça. Ça permet de tenir la tringle. Donc, il faut juste mettre, juste coulisser ça là-dedans. Il y a des petits moucherons, là. Je suis pas d'accord. Là, vous avez vu quelque chose, mais voilà, ça, c'est mis. Et du coup, on va juste mettre la tringle. Voilà, vous voyez pas grand-chose, mais ça fait vraiment beaucoup de bien de mettre des rideaux pour l'intimité. Enfin, c'est beaucoup mieux. Oh, c'est le bordel. Pardon, j'ai oublié de vous montrer The Article Décoration pour mon chacha. Ça vient de chez Chine. Incroyable, c'est une fraise, c'est un jouet. Je suis fan, encore une fois je suis fan, Prince aussi est très fan de cette petite fraise. J'ai mis une petite plante à l'intérieur qui est en train de mourir. En fait j'ai juste pris la plante et la plante s'est barrée du terreau. Il faudrait que je la replante, il faudrait que je mette de la terre aujourd'hui. Qu'on va essayer de la faire revivre un petit peu parce que la pauvre. Et j'ai mis à côté mon petit porte-bougie du coup. Voilà, je trouve ça assez joli. De toute façon il faudra tout nettoyer à un moment donné, je vais faire un gros vlog ménage. Donc voilà, j'ai fait tout l'extérieur, en fait on va bomber l'intérieur. Ça c'est un peu plus galère je trouve, enfin je sais pas. C'est là où il y a eu des coulures pour le rouge, donc écoutez, on va espérer que ça rentre là-dedans. Bon, je suis en train de faire le pipit là. C'est vraiment galère le vase parce qu'il y a beaucoup de coulures. Enfin c'est trop moche, ça me saoule. En plus il y avait plein de poussière à l'intérieur. Du coup bah, je l'ai mis à l'envers, que les coulures descendent vers le bas. Je suis dégoûtée. Enfin à chaque fois c'est comme ça, il y a des coulures. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas si vous avez des astuces pour ne pas qu'il y ait de coulures. J'ai essayé de faire avec le pinceau aussi, rattraper les coulures à l'intérieur et recommencer à bomber. En tout cas le jaune est super beau. Ça c'est vraiment top top top. Et quand vous mettez les piles à l'intérieur, bah ouais ça donne ça. C'est très mignon. J'ai retrouvé des pots en faisant du tri, donc ceux-là, que j'avais déjà bombé, je crois. Celui-là, c'est un jaune de base. Donc je pense que je vais le faire en jaune et en rose, donc les deux couleurs que j'ai, les deux bombes que j'ai. Bon, je sais pas si vous verrez bien, mais ça donne ça pour l'instant. Donc je vais laisser sécher et je vais faire l'intérieur après. Mais en fait, je le mets à l'envers pour enlever toutes les coulures. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et ça y est, je viens de rempoter ma petite plante. J'espère qu'elle va tenir dans le cache-pochou. En tout cas, c'est trop trop beau. Donc je vais la remettre devant la lumière pour qu'elle puisse survivre. En fait de base c'était une de mes boutures je crois que j'avais faite et ça avait bien pris. Et après quand je l'ai replantée et il manquait de lumière en fait dans la pièce, c'était dans le bureau, elle a pas trop kiffé. Et là elle a fait une nouvelle feuille depuis que je l'ai mise ici, donc en espérant que bah, ça fonctionne. Alors, là aussi ça pousse je crois, ou alors c'est mort, je sais pas. Il n'y a vraiment aucune lumière, je suis extrêmement choquée. Normalement il devrait faire joli, là il fait nuit. Je me suis attachée les cheveux parce que là c'était vraiment un bordel, je suis en train de faire le balcon en même temps pour filmer plusieurs vidéos. J'espère que l'intérieur sera sec aussi. J'ai trop hâte de voir le résultat, voir s'il n'y a pas de coulure et tout. Enfin, on peut pas vraiment s'en rendre compte du coup des petites traces et tout. Maintenant ça c'est le verdict. Eh ça me semble pas mal hein. Regarde comme c'est beau, la couleur est trop belle. Même sans la lumière, c'est qui? Alors, je crois pas qu'on voit les coulures. On voit quand même un peu le chat ici.
Donc c'est un peu en transparence. Mais sinon, le fait de retourner pour enlever les coulures, ça me semble plutôt pas mal, hein. Donc là, je vais laisser sécher parce que, vous voyez, c'est quoi. Oula, oui, c'est vraiment pas sec du tout. Mais en tout cas, pépitas pépitos, hein. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo décoration. J'espère que ça aura pu vous donner des idées pour améliorer un petit peu votre décoration, pour changer, etc. Vous voyez, un bol, un vase, ça peut faire une belle lampe champignon. Donc je vous conseille de faire ça, c'est plutôt ludique et sympa comme activité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos pêcheront juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.